Bonjour à tous, nous voici dans le cadre du Team Michelin au Carme pour la 19e étape du Team Michelin Tour. Nous profitons aujourd'hui à Clermont-Ferrand de notre dernière visite avant les Jeux Olympiques pour prendre le maximum d'encouragement. Et puis voilà, se préparer avant de partir à Rio. Johan. Donc, comme Renaud, on est là pour profiter et prendre un maximum de plaisir et d'emmagasiner l'énergie positive avant de partir à Rio. Bon, moi je voudrais vraiment encourager Renaud et Johan pour qu'ils nous fassent une très très belle performance aux Jeux Olympiques de Rio. On compte sur eux, on a vraiment besoin d'eux et toute l'équipe Michelin, tout le team Michelin est derrière eux. Bravo. Alors c'est pas des épreuves faciles, hein, donc je souhaite vraiment beaucoup de courage, beaucoup de succès pour Johan et pour Renaud et j'espère qu'on va vraiment s'éclater en vous regardant pendant cet été et que vous allez nous rapporter une médaille, du bon métal. Allez, bon courage à tous les deux, bonne chance. Donc ben, allez les gars, on est avec vous, on est à fond derrière vous et bien sûr j'ai mes compatriotes brésiliens à côté de moi. C'est si. Hay un gran ambiente en Carme. Todo está muy, muy simpático y la gente está muy participativa. Vengan, México, México. ¡Bueno, bueno, Johan, Johan! Michelin est engagé depuis plus de 100 ans dans le sport pour tous et le sport de compétition. On a toujours voulu développer les valeurs du sport dans l'entreprise. C'est quoi ces valeurs? C'est le respect des autres, le respect de soi-même, le dépassement de soi, l'esprit d'équipe, le courage. Et les fondateurs de l'entreprise ont toujours pensé que ces valeurs, elles étaient utiles tant dans sa vie personnelle, pour l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, et qu'elles étaient aussi utiles dans l'entreprise. Eh bien, nous continuons ce chemin qui a été parcouru depuis plus de 100 ans, en soutenant ces deux athlètes incroyables, et nous avons voulu en faire profiter tous les salariés de Michelin, en France en tout cas, pour démarrer, pourquoi pas, demain, à l'étranger. On a transformé le forum en stade olympique, avec différentes activités, basket, hockey sur gazon, golf, rugby et tir à l'arc. Ici c'est un atelier tir à l'arc. J'anime le hockey sur gazon. Alors le principe en fait, c'est d'effectuer le parcours en moins de 20 secondes. Moi j'anime un atelier graph. Le but, c'est de gagner des places pour aller voir un match au Stade de France, France-Australie. On a mis toute notre bonne humeur et notre énergie pour leur souhaiter beaucoup de chance et qu'ils nous ramènent une belle médaille d'or tous les deux. Donc aujourd'hui, c'était notre dernière visite avant les Jeux Olympiques où on a pu s'amuser avec les employés, faire des photos, des selfies et ça a été une bonne journée pour nous. Voilà, on vous donne rendez-vous maintenant après les Jeux avec deux médailles. Bon, les deux champions, vous êtes prêts? Vous vous sentez prêts? Tout va très bien. Tout va bien? Tout va bien, on est en grande forme. En grande forme. Ouais. Et vous sentez que vous êtes soutenus là par les équipes de Michelin? Ouais. Quand même, hein? Oui, quand même. Puis surtout qu'après, au fur et à mesure, on voit des personnes différentes et c'est toujours le même engagement. Donc ça, c'est quelque chose qui est super intéressant. Ça, c'est sympa quand même. Hein? Exactement. Bon. Et il faut que ça continue jusqu'au jeu. Hein? Et même après. Et même après. Mais au moins jusqu'au... Après, ouais. Oui. Il est comme ça, avec autant de simplicité. Je crois que pour tout le monde, c'est un encouragement. Quoi, hein? Peu importe son niveau, peu importe ce qu'on fait, mais c'est un vrai exemple. Ouais. Voilà. Et ça, on aime bien. Merci. Pour nous, c'est aussi important d'être soutenu par une des plus belles entreprises. Donc...